Mais non, maman. Ils ne t'ont pas volé tes bijoux. C'est moi qui les ai vendus. T'avais besoin d'argent. Mais si. Pour que tu aies une chambre seule, c'est plus cher. Bon. Je raccroche. J'ai des choses à faire. Oui, je tiens à toi. Oui. Bon, allez. Je t'embrasse. Maman, je t'ai dit que j'avais des choses à faire. Ah, Richard. Non, toujours pas. Je crois que j'y arriverai jamais. Bah, tu sais, je suis au premier. Alors, je vais avoir qu'un ticket pour un fauteuil roulant. Hein. Bon, allez, écoute, là, je vais essayer de tester les limites de mon pontage. Allez, salut, salut. Allez, on y va. Et voilà. Allez, c'est ton tour. Tata. Alors, le prochain. Il s'agit d'un certain Gérald, 65 ans. Ok. Ça va être facile. On est parti ? Attendez. Entrez, entrez, entrez. Asseyez-vous, vas-y. Whisky, rhum, thé, café. Café, je veux bien. Café. Je le sens pas. Je sais pas si c'est trop chelou. Ça va. C'est une personne âgée. Il savait qu'on allait venir. Si vous saviez depuis combien de temps j'essaye. J'ai fait alcool, médicaments. Je me suis même remis à la course, malgré l'opposition formelle de mon cardiologue. Je comprends pas pourquoi vous voulez en finir comme ça. Chacun a ses raisons. Je vais pas vous expliquer les miennes, hein. C'est pas intéressant, vous savez. Très bien, on va respecter votre volonté. Attends, s'il te plaît, viens, on y va, je le sens pas. Je le sens pas là. Non, on s'en va, je le sens pas. On va respecter votre volonté. Par contre, pour l'argent, comment on s'organise? Parce que... Ne me faites pas ça. Tout s'achète.
sauf la mort elle-même. Et vous savez que c'est très difficile de mourir. Ça fait un bail que j'essaye. Et je vais finir par me croire immortel. Et si ma mère n'était plus de ce monde, il y a longtemps je me serais mis sous le train. Si votre mère est toujours vivante. Je comprends. Vous voulez une mort digne et propre, c'est ça? Amen. Non mais tu te fous de ma gueule, là! Chérie, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Je savais que je pouvais compter sur vous. Maman.